D'aborder déjà avec lui un certain nombre de thématiques qui nous semblaient un petit peu inscrites dans les préoccupations actuelles de la profession. Mais bien sûr, en deuxième partie de session, nous vous donnerons la parole pour pouvoir poser vos questions et faire remonter éventuellement vos expériences. Donc nous espérons que cela sera dynamique et interactif. Donc merci beaucoup Monsieur Georges d'être parmi nous, d'être venu jusqu'à Clermont et même d'avoir pu décaler votre trajet pour être ici aujourd'hui. Alors je vais attaquer tout de suite franco avec un sujet brûlant, récurrent, qui n'est pas nouveau mais qui rebondit régulièrement. Nous avons eu Monsieur Hajdari qui est intervenu lors de la session inaugurale du congrès et qui a parlé bien sûr des horaires d'ouverture, de l'extension des horaires d'ouverture et du dispositif mis en place par le ministère de la Culture au sein de la DGD suite au rapport de Madame Sylvie Robert. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif qui maintenant est tout à fait concret? Donc, qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les conditions à remplir pour qu'on voit un petit peu si quelle réponse cela peut apporter aux collectivités et si l'ensemble des collectivités peut s'y inscrire, si ça concerne plus les grandes bibliothèques, les petites bibliothèques. Voilà, on est un petit peu en attente de précision sur ce sujet. Tout d'abord, merci de l'accueil traditionnel de l'association et de son congrès annuel. Moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens, et vous voyez que j'essaye de le faire même avec des transports qui ont du mal à fonctionner. Et puis Clermont, c'est une ville très agréable. Je trouve que l'ambiance y est très sympathique. Et donc c'est encore vraiment avec beaucoup de joie que je viens vous voir. Merci à la présidente honoraire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au congrès, mais enfin c'est comme ça que je le ferai d'une certaine manière, l'ex-présidente. D'être mon alter ego pour cette petite séance de questions-réponses avec la salle. Alors vous rentrez vraiment dans le vif du sujet, hein, puisque voilà une question qu'on pourrait dire dans le congrès, des questions qui fâchent, c'en est une, je crois qu'elle aurait quasiment pu être inscrite au nombre des questions qui fâchent, elle suscite beaucoup d'interrogations, pas mal de polémiques également. Vous l'abordez sous l'angle de ce dispositif de l'État, sur lequel je vais revenir. En général, vous savez, l'État ne manque pas une minute de dire qu'il fait bien les choses, il est partout, il fait tout. En ce moment, avec les baisses de dotation qu'il impose lui-même d'ailleurs, du côté des bibliothèques, on serait tenté de dire qu'il joue les pompiers, parce que on y reviendra sans doute, nos moyens ne sont pas en diminution, bien au contraire d'ailleurs. J'aurais tendance à dire finalement que dans cette question des horaires d'ouverture, le dispositif mis en œuvre par l'État est assez secondaire, hein, ou second d'une certaine manière. C'est pas l'élément principal de la réflexion sur les horaires d'ouverture. Nous avons souhaité en tout cas participer à ce débat depuis longtemps, hein, vous le savez, bien avant d'ailleurs la mise en place de ce dispositif qui est une sorte d'aboutissement, avec un certain nombre de préparations méthodologiques. L'inspection générale a fait plusieurs rapports. J'ai vu Dominique Haro dans la salle, lui-même a été auteur d'un de ces rapports. Avec l'ABF, nous avons réfléchi pas mal aussi, on a publié hein, des choses à destination des maîtres d'ouvrage, si j'ose dire, en tout cas des villes qui veulent se lancer dans cette aventure. Donc il y a eu quand même un travail de préparation assez important qui a posé des bases de méthodologie qui me semblent importantes. Et puis, parmi les éléments aussi de creuser la question, il y a eu toute cette mission de Sylvie Robert qui a rencontré beaucoup de monde, qui a son expérience d'élu et qui a écrit son rapport avec ses intentions d'élu de Rennes, où la ville a beaucoup travaillé aussi sur cette question. Donc, in fine, on a bâti ce système sur lequel je vais revenir, mais c'est un point parmi d'autres d'arrivée de cette problématique qui est multi-question, en quelque sorte, multidimensionnelle, et je dirais que ça n'est pas le principal point du débat. Pour revenir sur ce dispositif, quelle était notre intention? Notre intention, c'était de permettre à des communes, à des collectivités qui ont un projet, parce qu'encore une fois, pour moi, le principal dans cette affaire, c'est d'avoir un projet, mais avec toute la méthodologie du projet.
des collectivités qui ont un projet qui est bien cadré et qui hésitent finalement à franchir la dernière limite, c'est-à-dire la limite dans laquelle on rencontre les organisations syndicales, les personnels, et on dit voilà, on a ce projet politique et on souhaite en discuter avec vous. C'est compliqué, on le sait. Voilà, pour les villes, je dirais même que ce dialogue avec les agents, c'est quasiment la principale difficulté à franchir. Bah, pour les maires, c'est de leur dire écoutez, voilà, si vous voulez le franchir, si la question des moyens se pose, elle ne manquera certainement pas de se poser à un moment, un déclencheur positif peut être une aide de l'État. Cette aide de l'État, elle doit être substantielle. On avait, vous savez, commencé lors des 14 propositions avec ce slogan 50 villes, 50 heures, avec un dispositif qui n'était pas du tout suffisamment incitatif. Là, on a souhaité qu'il y ait un dispositif suffisamment incitatif précisément pour que les élus puissent franchir ce pas. Donc il doit être incitatif, c'est-à-dire être suffisamment long sur la durée et suffisamment haut dans l'aide qu'il apporte et suffisamment couvrant en termes de périmètre dans l'aide qu'il apporte aux élus. Voilà. Donc c'est une brique parmi d'autres et je voudrais bien mettre ce dispositif à sa place. Il ne s'agit pas de dire que l'État veut tout faire avec cette proposition. Ce n'est pas du tout l'objectif et ce n'est pas du tout l'intention qui a été la nôtre. Qu'est-ce qu'on a fait précisément pour remplir ce petit cahier des charges qui est suffisamment long dans la durée, suffisamment élevé dans les taux d'aide et suffisamment large dans son périmètre? On a choisi un vecteur. Le vecteur le plus sûr pour nous, il nous semblait que c'était celui de la DGD. Pourquoi? Parce que ça reste encore un fonds de dotation aux collectivités locales et parce que c'est un fonds de dotation, même si les dotations baissent, la DGD, depuis 2009, ne baisse pas. On se bat maintenant de plus en plus fortement pour qu'elle reste à son niveau, mais il se trouve que ça ne baisse pas. Et que l'engagement politique, finalement, qui était celui de la ministre de la Culture, et puis aussi des élus en charge du portefeuille du ministère de l'Intérieur, ont décidé que, ben, de ce côté-là, on ne baisserait pas. Donc, il y a une forme de sécurité sur cette dotation. Depuis un certain nombre d'années, vous le savez, depuis d'ailleurs fort longtemps, elle n'était plus ouverte qu'à l'investissement. Donc nous l'avons déjà, il y a quelques années, ouverte pour l'investissement immatériel, hein, avec toutes les possibilités de la mobiliser pour ce qui est relatif au numérique. Et puis là, on a dit au ministère de l'Intérieur, on a engagé un débat qui n'était pas si simple. Revenons un peu en arrière et essayons d'ouvrir la DGD au fonctionnement, mais pas au fonctionnement pérenne, hein, puisque la réforme, il y a quelques années, avait dit il y a tellement d'aide au fonctionnement que ça se dilue complètement, ça devient du saupoudrage, ça n'est plus du tout assez efficace. Donc essayons de le centrer sur quelque chose d'assez limité, du fonctionnement non pérenne, centré uniquement sur l'extension des horaires ou la réflexion, disons, sur les horaires d'ouverture, d'une manière plus générale. Voilà, donc ça n'a pas été facile, parce que le ministère de l'Intérieur était un peu réticent à réouvrir cette DGD, puis finalement on a fait affaire politiquement, c'est monté quand même assez haut. Et on a eu, bien ma foi, tout ce travail qui consistait à modifier la loi, parce qu'il faut quand même modifier la loi, la DGD s'est inscrite dans la loi, à modifier le décret d'application, et puis à modifier la circulaire, et aujourd'hui, ça y est, c'est signé, c'est bon, c'est tout à fait opérationnel. Voilà. Alors ça veut dire quoi, l'aide? L'aide, tout d'abord, j'ai dit suffisamment long, nous avons demandé à la direction des collectivités territoriales de mettre un horizon de 5 ans. 5 ans maximum, ça peut être moins, ça dépendra des demandes, mais 5 ans. 5 ans, c'est quasiment un mandat de maire, hein, donc voilà, pour nous, 5 ans, c'est suffisamment attractif. En général, quand on se lance dans un projet, il y a quand même une année de maturation du projet, on discute des conditions pendant un an, le dialogue social, c'est un an, tout ça, on dit c'est un an. Et puis après, ben, finalement, si on fait affaire avec les agents, ça fait 4 ans de soutien. Et on peut d'ailleurs subventionner aussi l'année de réflexion, c'est-à-dire si on a besoin d'un cabinet, d'aide, d'audit, de faire venir des consultants extérieurs, ben ça fait partie aussi de l'opération. 5 ans. Ensuite, le périmètre. Le périmètre, il est très large. Le périmètre, il est ciblé sur les dépenses de fonctionnement, encore une fois, sachant que s'il y a des dépenses d'investissement qui rentrent dans ce projet, ben elles peuvent tout à fait être prises sur les enveloppes classiques de la DGD. La DGD, c'est de l'investissement,
du RFID, des choses comme ça qui permettent d'être intégrés pour libérer un peu de temps et rendre les process plus efficients. Ça peut être subventionné autrement. Mais il faut vraiment le regarder comme une aide au fonctionnement, donc périmètre fonctionnement. Et puis ça concerne après toutes les dépenses que je dirais additionnelles ou marginales en termes économiques, engagées, engendrées, causées par le projet d'extension ou de renouvellement des horaires. Ouais. Donc, bien sûr, salaire, prime, c'est l'essentiel, d'une certaine manière. Et puis tout ce que vous pouvez imaginer comme, dépenses annexes, il faut ouvrir, si on ouvre plus, il faut plus de gardiennage, il faut plus de nettoyage, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quand même, faire un calcul assez fin pour identifier dans chaque projet qu'est-ce que ça coûte en plus d'ouvrir tant d'heures en plus. Ouais. Voilà, donc le périmètre est assez large et c'est quelque chose qui se discutera ou qui sera discuté avec... l'État en région, c'est-à-dire avec nos collègues des DRAC, les conseillers livre et lecture, sur projet. Et puis, les taux, c'est laissé à la discrétion des préfets quand les enveloppes sont déconcentrées. Nous pouvons également prendre au niveau de l'État central, sur les enveloppes dites de deuxième fraction, pour les projets qui seront sans doute très coûteux pour les grosses collectivités, que les DRAC ne pourront pas absorber elles seules. Et les taux, on souhaite qu'ils soient particulièrement attractifs. Donc ça sera un peu sur projet, on regardera la qualité des projets. Et on pourra aller, je pense, très haut pour être très incitatif. Oui, monsieur Hachdari, il parlait d'aller jusqu'à 80%. Oui, on ne s'interdit pas d'aller jusqu'à 80%. Voilà. Donc je pense que la base, d'une certaine manière, c'est le projet. Ouais. Ça sera le projet qu'on discutera ensemble, qui sera porté par les élus. Et selon la qualité du projet, on aura des choses qui pourront être plus ou moins incitatives, plus ou moins attractives. D'accord. Alors justement, les questions qui peuvent émerger, justement, à la fois dans la profession et puis au sein de nos élus. Il y a un projet effectivement nécessaire. Ça veut dire qu'il faut que la volonté, elle soit là déjà. Ce dispositif, il est second, certes, mais c'est un levier de décision qui est très attendu. La question qu'on se pose aussi, voilà, c'est à plus longue échéance, 5 ans, quasiment un mandat, comme vous dites, on augmente les horaires d'ouverture de la bibliothèque de manière un petit peu durable. 5 ans, c'est déjà une belle période. Et puis, forcément, au bout de 5 ans, le dispositif s'arrête. On ne connaît pas encore l'état financier des collectivités dans 5 ans, mais pour l'instant, on n'est pas dans une perspective mirifique. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans après? Est-ce que les collectivités pourront continuer l'effort consenti, hein, surtout si elles ont eu des taux très importants? Est-ce qu'elles vont pouvoir assumer jusqu'au bout? Est-ce qu'elles vont revenir en arrière? Et ça serait quand même extrêmement dommageable d'avoir étendu les horaires d'ouverture et d'un seul coup, ah ben non, on ne peut plus, on arrête. Est-ce qu'elles vont trouver des moyens de substitution, des rustines qui vont se retrouver avec des emplois non qualifiés et où ça peut... voilà. Donc c'est vrai que nous, on a peut-être aussi des craintes par rapport à ça. C'est très bien l'État, vraiment que l'État réponde aux nécessités, ne se contente pas de dire il faut augmenter les horaires d'ouverture à l'ABF, on est convaincu que c'est une nécessité, mais il ne faut pas qu'il y ait un effet youpi qui retombe au bout de quelques années. Après, on a bien conscience que l'État ne peut pas tenir la main des collectivités, donc il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique qui soit propre, sauf que cette volonté politique, elle peut être là, on peut avoir des élus qui disent ok, on y va, et dans 5 ans on continuera, et s'il y a un changement, voilà. Donc à la limite on peut se dire on en aura profité pendant 5 ans ou je sais pas quelle voilà, enfin je suis la pessimiste là. Non, mais vous avez tout à fait raison, bien entendu. Nous aussi on a cette question là en tête, hein. De toute façon, quelle que soit la durée de l'aide, il y a un moment, si cette aide n'est pas pérenne, et il n'était pas question qu'elle le soit, parce que vous le dites bien, il y a un moment, c'est le projet des élus, donc comme tout projet politique, il doit être pensé sur la suffisamment longue durée. On a voulu le caler sur un mandat. Pourquoi? Pour dire à un maire, c'est mon projet de mandat. Et après, d'une certaine manière, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, les choses s'arrêteront. Mais pour nous, on s'était dit, ça pourrait être l'occasion que le débat arrive comme débat des élections, d'une certaine manière. Et ça serait bien que ça soit porté comme débat des élections, parce que ça voudrait dire que les choses deviennent extrêmement politiques.
Si ça a marché, et là aussi on aura, enfin dans le dispositif, on a des rencontres périodiques pour savoir, pour évaluer, pour savoir si ça marche, si les gens viennent plus, et si surtout les publics sont plus diversifiés, c'est-à-dire si c'est des gens un peu différents qui viennent, si on arrive à faire venir des gens différents. Et s'il y a tout ça qui est quand même à la rencontre, je suppose que pour des élus, s'ils se sont engagés sciemment, avec un vrai projet, une vraie discussion, qui aura pu être dure d'ailleurs avec les organisations syndicales et avec les agents, ils ne seront pas tentés, si c'est un succès, de revenir comme ça en arrière aussi facilement. Donc il faut que ça soit un projet politique. J'ai lu, comme vous, les manifestes qui ont été publiés. L'idéologie, on parle d'idéologie de l'État. Non, enfin, il n'y a aucune idéologie dans cette affaire-là. Il me semble que la question des horaires d'ouverture, elle est au centre. C'est une question centrale dans le fonctionnement d'une bibliothèque, mais pas seulement d'une bibliothèque, dans tout service public, de toute façon. Il n'y a pas que les bibliothèques qui sont dans les villes soumises à cette question des horaires. Donc elle est centrale, elle doit être absolument politique, elle doit être assumée comme telle. Et encore une fois, quand je dis projet, ça voudrait dire que comme les constructions, d'une certaine manière, on lance des constructions, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Et il y a un certain nombre de tensions qui arrivent, je ne citerai pas les villes, mais parce qu'on a construit des vaisseaux, on a lancé des vaisseaux absolument invraisemblables, alors qu'on ne savait pas comment ces vaisseaux allaient fonctionner, comment on allait ouvrir véritablement. On ne savait pas que ces vaisseaux-là, pour bien fonctionner, pour rendre de vrais services, ils allaient demander X agents supplémentaires, etc. Ça n'a pas été suffisamment travaillé. Donc c'est aussi, d'ailleurs, pour ces constructions, la raison pour laquelle on essaie d'imposer cette méthodologie du projet culturel de bibliothèque, de vraiment dire aux communes, prenez le temps, assumez les choses, documentez bien pour que le service soit au rendez-vous derrière. Et qu'il ne s'agit pas seulement de couper un ruban pour inaugurer un splendide bâtiment. Derrière, il faut que le service, et je dirais même que le principal, c'est que le service marche. Ce n'est pas cette architecture, même si elle est très belle, c'est que le service marche, que ça soit fonctionnel et que, ça soit les gens, enfin, que le service soit au rendez-vous des gens. Donc les horaires d'ouverture, c'est pareil. Si les maires veulent faire un coup politique, ça ne marchera jamais. Ça, c'est sûr. Hein, si c'est ouvrir le dimanche pour faire un coup politique, ça ne marchera jamais. En revanche, si c'est assumé, si ça a été discuté, et si c'est prévu pour être sur le long terme, hein, alors le long terme qui est celui d'un mandat, on ne peut pas après présumer de ce que diront les successeurs, mais au moins sur un mandat, si c'est vraiment rendu projet politique de ce point de vue-là, ben on aura quand même, à mon avis, rempli une partie du chemin de ce point de vue-là. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a pas de grille de critères très définie. Les projets seront examinés au cas par cas. Est-ce que il y aura quand même, puisqu'on parlait d'évaluation, une évaluation qui sera nécessaire, est-ce qu'il y a déjà un certain nombre d'indicateurs qui sont arrêtés, ou est-ce que ça dépendra aussi du projet? Est-ce que c'est un petit peu aux collectivités, à la fois de proposer leur projet d'extension d'horaire d'ouverture avec les indicateurs et le méthode d'évaluation qui va avec? Et est-ce qu'il y a un accompagnement possible? Donc, vous aviez parlé d'accompagnement par des cabinets de consultants éventuellement. Est-ce que le ministère aussi, les DRAC, peuvent être un appui pour construire ce projet et ces méthodes d'évaluation qui vont le suivre? Ah bah on souhaite que les DRAC soient vraiment les chevilles ouvrières. Alors j'ai un peu scrupule à en parler, parce que, mais on y reviendra sans doute, les DRAC ont connu depuis plus d'un an la machine à laver, le tambour infernal de la réorganisation. Je sais que mes collègues sont épuisés, pour certains d'entre eux, et se trouvent maintenant à devoir intervenir dans des régions qui sont aussi grandes que la Suisse, voire plus pour certains d'entre eux. C'est une sollicitation supplémentaire pour eux, je n'en doute pas. Mais on souhaite bien entendu que, pour ça, les DRAC soient vraiment à la manœuvre. Hein. Comme elles le sont d'ailleurs pour l'utilisation de la DGD. C'est les DRAC qui sont vraiment les opérateurs de la DGD. Et donc le dialogue s'ouvre entre l'État et les collectivités à ce niveau-là, et qu'on discute le projet à ce niveau-là, dans toute sa dimension, en particulier celle de son évaluation. Ça se construit comme ça, je pense que ça se construira comme ça. Alors la méthodologie, pour l'instant, est en effet assez souple, mais vous verrez, la circulaire d'emploi sera publiée donc, avec un guide méthodologique qu'on mettra également en ligne, que vous pourrez mettre en ligne aussi sur le site de l'association, et qui donnera les principaux arguments de ce point de vue-là pour avancer. Voilà. Mais on souhaite quand même que ça soit relativement souple, alors que nos collègues de DGCL souhaitent que ça soit très très encadré. On souhaite donner quand même une liberté de manœuvre, poser les grands principes, et puis ensuite que les communes et les collectivités aient une certaine liberté de manœuvre pour inventer ce qu'elles ont envie d'inventer. Et encore une fois, chaque lieu donne lieu à une, enfin chaque ville donne lieu à une discussion particulière. Hein. Le bâtiment est particulier, on sait que pour l'ouvrir il faut tant de gens, alors que là il en faudra tant. C'est d'ailleurs la difficulté pour nous d'essayer de donner une méthodologie. On rencontre beaucoup de villes qui ont fait l'exercice.
Alors il y a des invariants qui, comment dire, qui apparaissent, mais on se rend bien compte que chaque commune, chaque discussion est un cas particulier, donc il faut quand même qu'on ait une certaine souplesse pour qu'on puisse s'adapter véritablement aux besoins qui sont ceux localement des communes. Très bien, merci. Alors avant de passer au prochain point, je tiens à signaler, pour ceux qui veulent approfondir la question, la tenue d'une journée d'études spécifique qui aura lieu le 23 juin à la Bibliothèque nationale de France, une journée d'études donc, sur les horaires d'ouverture organisée par le ministère de la Culture, la FNCC et l'ABF, coordonnée par la sénatrice Sylvie Robert, justement auteure du rapport. Et bien sûr, côté littérature professionnelle, vous avez toujours le médiathème « Ouvrir grand les médiathèques », qui a été coédité par l'ABF et le SLL et coordonné par notre collègue ici présente, Françoise Muller, collègue auvergnate. Voici. Donc, un autre point qui... On a un micro, on a le micro sans fil. Voilà, on intercale les questions sur chaque... Oui, je voudrais en restant sur la question des horaires d'ouverture, on en parlait avec Annie Dourlan. Est-ce que le taux va être de 80% sur les 5 ans? Ce qui ferait qu'après, tout d'un coup, ça ferait un gros décalage. Ou est-ce qu'il y a une dégressivité qui est envisagée? Enfin, comment... Est-ce qu'il y a quelque chose de défini ou ça reste ouvert? Je pense que ça reste tout à fait ouvert, encore une fois. Et la discussion avec les DRAC sera fondamentale de ce point de vue-là pour bâtir le projet. C'est vrai que moi, j'aurais été tenté de dire, bah, finalement, si le projet est très bon, si on doit être vraiment incitatif, si... Bah pourquoi pas 80% sur les 5 ans? Mais c'est vrai qu'après, le palier de décroissance peut être assez... voilà. Donc ça peut être une demande de la commune de profiler en tout cas l'aide pour qu'elle soit un peu dégressive et en tout cas que le palier soit au moins dur à franchir. Hein, je comprends tout à fait. C'est ce qu'ont fait beaucoup de départements. C'est pour ça qu'on témoigne de ça. Si vous pouvez vous présenter. Viviane Olivier, BDP de la Creuse. Juste pour savoir si ça s'applique uniquement à des grands établissements ou est-ce qu'il y a une possibilité de déclinaison à l'échelle de réseau en matière rurale. Voilà. Tout est permis. Ce n'est pas forcément les grands établissements. Quand c'est vrai qu'avec les 14 propositions, on avait dit 50 heures pour 50 villes, parce qu'on pensait qu'au moins les grandes cités étaient les mieux équipées par leurs services abondants, par la technicité qu'elles pouvaient avoir pour lancer des projets comme ça. Et que autant pour les petites communes, des communes moyennes qui étaient moins armées d'une certaine manière, on pouvait comprendre que ce type de négociation était difficile par la technicité en quelque sorte. Pour les grandes communes, on se disait franchement, elles devraient quand même au moins, même si elles échouent, faire l'effort. Voilà, c'était un peu ce slogan-là qu'on avait. Mais autrement, là, l'aide, elle est tous azimuts. Hein. Une autre question dans la salle sur les horaires? Bonjour, Justine Duval, ville de Villejuif. Je voulais savoir, quand on n'est pas éligible à la DGD pour des problèmes de mètres carrés par habitant, est-ce qu'il a envisagé une souplesse sur la question des horaires ou pas, ou on n'est pas éligible du tout? C'est une bonne question. Ouais. Il faudrait vraiment que je regarde avec mes collègues parce que j'ai peur de ne pas pouvoir vous répondre, d'avoir suffisamment en tête le dispositif. Je serais tenté de dire, hélas, non. Parce que c'est inclus dans le régime général de la DGD, c'est pas un compartiment spécial. Hein. Donc on n'a pas modifié les textes pour ça, on n'a pas modifié les ratios, donc je suis pratiquement sûr que c'est non. Donc, mais je vous donnerai une réponse définitive exacte, en tout cas à l'association, pour répondre exactement. Mais je peux quasiment vous dire, et j'en suis presque sûr, que c'est non. C'est ça, logique. Une autre question au fond de la salle? Jean-Louis Glénisson, médiathèque de Poitiers. Alors, ce n'est pas véritablement une question, c'est plutôt une réflexion sur la méthode, peut-être pour la réflexion sur les horaires. C'est que dans le cas de gros établissements qui ont un réseau, je crois important de raisonner sur le réseau, c'est-à-dire ne pas se focaliser uniquement sur le vaisseau amiral, mais de penser que c'est en fait toute une flottille en fait, qu'on ouvre et sur laquelle on met un certain nombre d'occurrences à la disposition de la population pour venir à la bibliothèque. Donc de penser sur l'ensemble, qu'on peut à la fois mieux synchroniser les horaires, mieux les harmoniser, et bien sûr tout de même dans l'établissement central, tout de même prévoir des horaires, parce qu'il y a du lourd bien sûr à l'équipement central, donc de prévoir qu'il peut y avoir un peu des nocturnes, des choses comme ça. Mais il faut penser réseau à chaque fois, parce que c'est moins lourd en réalité à faire fonctionner,
ça n'induit pas forcément du coup des grimpées spectaculaires d'effectifs, mais on peut surtout mieux utiliser les moyens qu'on a. Je serais tenté de dire que même si vous décidez de ne poser l'effort que sur la centrale, vous êtes obligé de raisonner réseau, parce que on le voit bien, les questions d'organisation et les questions de discussion avec les agents, elles vont prendre en charge et en compte l'ensemble de la force de travail, l'ensemble du réseau. Donc d'une manière ou d'une autre, on est obligé de discuter et de mettre ensemble tout le réseau. Puis je crois que de toute façon, même si on cible sur la centrale, c'est bien aussi de faire en sorte que le réseau soit collectivement engagé et impliqué dans ce projet-là. Ce n'est pas un projet de la centrale par rapport aux autres. Il faut que tout le monde soit, d'une certaine manière, partisan de la réflexion. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je serais tenté même de redire que si on axe sur la centrale, ben, il faut quand même mettre le réseau dans le coup et impliquer le réseau. C'est même, à mon avis, une des garanties du succès. Très bien. Alors, pour changer un petit peu de sujet, il y a même plusieurs sujets là qui s'interpénètrent, on va dire. Bon, on a vu dernièrement des situations de bibliothèques départementales un petit peu délicates, notamment la bibliothèque départementale enfin des Yvelines, qui a fait beaucoup réagir dans la profession. On a l'impression que d'un coup, un certain nombre de conseils départementaux voient autrement leur mission obligatoire de lecture publique et interprètent différemment le rôle qu'elle doit jouer. Alors, tout en étant conscient que les bibliothèques départementales avaient vocation à un moment donné à aider le développement de la lecture publique sur le territoire et que l'idéal visé c'était qu'elle s'efface petit à petit quand le territoire serait bien couvert, on est quand même tout à fait conscient que le maillage territorial reste encore insuffisant, et dans certains secteurs beaucoup plus que d'autres, et que les bibliothèques départementales n'ont pas fini de jouer un rôle important, même si leur mission aussi glisse, bah comme de manière générale, peut-être moins vers le prêt de collection, mais un petit peu plus vers les missions d'accompagnement, de formation, d'équipement aussi en numérique. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelle est la position un petit peu, comment le ministère voit cela, en sachant que bien sûr, on est sur du territorial, sur la collectivité territoriale, et qu'il ne s'agit pas de faire de l'ingérence, mais est-ce qu'il y a une réflexion, une position sur ce type de changement, voire ce qui nous apparaît à nous comme de la dérive? Alors les Yvelines ne sont pas les seuls, hein, parce que juste il y a quoi avec le président, on parlait avec notre collègue de la Réunion, et dans nos DOM qui ne sont jamais comment dire, en retard d'une innovation, puisque effectivement on est dans le congrès de l'innovation, on a même entendu dire qu'à la Réunion ils souhaitaient donner un statut d'établissement industriel et commercial à la BDP. Donc notre collègue disait, est-ce que ça vous va, ça? Voilà, donc ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire faire en sorte que, si on transforme la BDP en une sorte d'agence de moyens, toutes les expertises soient facturées d'une certaine manière. C'est-à-dire le déplacement d'un agent dans telle communauté, telle ville, tel village, ça soit facturé tant de l'heure, etc. Voilà. Alors, quelle est la position? On avait déjà, nous d'ailleurs, eu l'occasion d'en parler avec vous au moment où il y avait toutes ces discussions sur la réforme territoriale, hein, et puis sur la possibilité pour les départements, enfin la possibilité, c'est un mauvais terme, mais pour l'éventualité pour les départements de disparaître en tant que collectivité territoriale. Donc on avait dit, qu'est-ce qui doit reprendre la compétence de la lecture publique? Et on n'avait pas dit rien du tout, parce que c'est plus utile. Hein. On avait essayé de réfléchir un peu avec vous, notamment du côté de la région, sur un certain nombre de compétences, puisque la compétence d'aménagement du territoire a été renforcée également pour la région. Donc on avait déjà nous donné un peu le là de notre vision sur ce sujet. Autre élément de réflexion, ça a été celui de l'IGB. C'était M. Gauthier-Jantès qui avait rendu son rapport assez volumineux, hein, sur les bibliothèques départementales de près. Où il disait en gros, elles sont toujours très utiles, ces BDP. Peut-être encore aujourd'hui plus qu'avant, parce que la question de l'inégalité d'accès à la culture dans les territoires n'a peut-être jamais été aussi cruelle qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'elles peuvent concevoir aussi leur travail autrement. Hein. Elles doivent peut-être aussi se réinventer, imaginer peut-être d'autres formules. En tout cas, elles ont un avenir problématique devant elles. Et puis voilà que dans les Yvelines, ils mettent en place une réforme assez radicale, innovante, dit-on, effectivement, qui, alors là, supprime d'une certaine manière
la BDP en tant que telle, c'est-à-dire avec son bâtiment, le bâtiment qui a été transféré par l'État, et avec un projet qui est extrêmement différent. Bon, nous, notre position, elle est assez simple. L'État, c'est le garant de l'équité territoriale. L'État qui a créé ses réseaux de lecture publique après la guerre, dans une période où précisément on parlait de la promotion de la personne, c'était l'après-guerre, il y avait vraiment tout un débat sur l'accès à la culture. Ce débat, il n'a pas fini, il est encore extrêmement actuel. Et on estime que le fait d'accéder pour des territoires qui sont assez éloignés des services culturels, à travers des bibliothèques comme les BDP, ça reste vraiment fondamental. Et donc c'est vraiment une position qui est sans ambiguïté de ce point de vue-là. Les BDP ont encore un rôle à jouer extrêmement important. Le rapport encore récent de l'IGB sur la couverture territoriale a montré qu'il fallait encore des efforts, il fallait encore couvrir, il y avait encore besoin d'équipement, il n'y avait pas besoin de se retirer précisément, surtout dans ces territoires qui sont couverts par les BDP, qui sont dans notre pays beaucoup des territoires ruraux et assez éloignés effectivement des équipements culturels. Donc c'est sans ambiguïté, il faut encore des BDP et nous on ne se rendra pas du tout à une disparition, une sorte d'évanescence de ces services, une disparition cachée. Pourquoi cachée? Parce que bien sûr qu'on est aussi conscient que dans un certain nombre de régions, l'actualité pousse les BDP à se transformer. L'actualité, c'est celle sans doute du manque de moyens. Ça explique quoi? C'est une très mauvaise explication, le manque des moyens. Mais néanmoins, ça pousse parfois à innover, enfin, à faire des choses un peu différentes, à s'organiser différemment pour rendre un service. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a aussi toute la transformation des collectivités, c'est-à-dire le regroupement d'un certain nombre de collectivités, le fait que des collectivités desservies autrefois par la BDP rentrent dans des structures plus larges, des intercommunalités, que ces intercommunalités... Peut-être demain, ça sera aussi une réponse, un système de coordination qui donnera plus de moyens aux bibliothèques aujourd'hui isolées pour offrir un service de qualité, certes. Mais il reste quand même que, à notre avis, le service des BDP reste important. L'important, c'est de réfléchir. C'est pas de prendre des décisions comme ça sans que personne ne le sache. On découvre ça du jour au lendemain. Peut-être que la réflexion qui a été menée, elle était sensationnelle, mais on aurait bien voulu la partager. On aurait bien voulu la partager parce qu'on pense aussi qu'une réflexion qui est menée de façon intelligente quelque part, elle peut être aussi partagée par d'autres. D'autres peuvent, c'est comme les horaires d'ouverture, ceux qui se sont cassés les dents, qui ont réussi, ça peut être, voilà. Donc la méthode doit être celle de la coopération et du partage. On ne peut pas engager des réformes aussi lourdes, qui transforment aussi lourdement le paysage de la lecture publique, sans un minimum de concertation et de réflexion. Cette réflexion, il serait bonne aussi qu'elle soit portée par l'Association des départements de France. Parfois que cette association d'élus, parmi toutes les questions qui sont les siennes aujourd'hui, elle pose aussi celle de la culture et de la lecture publique, et qu'on n'assiste pas seulement à une sorte de désengagement plus ou moins massif de ce niveau de collectivité locale par rapport aux bibliothèques, mais à l'ensemble de la culture également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, enfin, j'espère qu'on ne va pas rester les bras ballants à l'État, et on a fait un certain nombre de propositions. Je pense que Martin Jdari a peut-être dit des choses là-dessus. Vis-à-vis tout à fait des Yvelines, on a demandé à notre DRAC de se rapprocher du département, d'engager le dialogue. Ça n'a pas été très concluant pour l'instant. Nous, ce qu'on a proposé au cabinet, c'est une étape ultérieure, bah, c'est de s'appuyer sur des textes, nos textes qui sont fragiles, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Enfin, il y a des textes qui disent quand même les BDP sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'État. Bon. Le contrôle scientifique et technique, il est fait par l'administration centrale, mais également par l'IGB. Et nous, on souhaiterait bien qu'une mission de l'IGB soit diligentée pour engager ce dialogue, pas, sur la base d'ailleurs du rapport qui a été rendu, qui ouvre un certain nombre de perspectives, mais qu'on sache exactement ce qui se passe là-bas et à quoi ça correspond. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, donc nous, on est tout à fait prêts, la lettre de mission, elle est tout à fait prête. Si notre cabinet nous dit on y va, il n'y a pas de souci, on envoie un inspecteur général là-bas. Et puis, on souhaite que notre ministre, elle l'écrive à l'Association des départements de France, et qu'elle pose le débat en disant, écoutez, voilà, il nous semble que... Enfin, on est persuadé que c'est une compétence obligatoire, qu'elle doit être inscrite au budget des collectivités, et que ce n'est pas par une sorte de tour de passe-passe budgétaire qu'on s'affranchit effectivement de responsabilités comme celle-là. Ça a été transféré, ça a été un acte de transfert, de décentralisation. Encore une fois, les collectivités l'ont demandé. Hein.
La décentralisation, c'est quand même bien les collectivités qui ont demandé ces responsabilités. Bah, assumez vos responsabilités. Puis si vous voulez en parler, parlons-en au niveau de l'association départementale. Prenons des positions. Mais en tout cas, ne faisons pas les choses en catimini. Ne cassons pas une politique qui a 50 ans derrière elle par des décisions trop abruptes et non concertées. Voilà les deux positions, les deux propositions dans un premier temps qu'on ferait pour avancer sur le sujet. Alors après cette situation, bon, elle est assez emblématique pour la BDP, mais le problème des compressions de moyens, on le vit dans l'ensemble de la lecture publique. Hein. On en a déjà parlé lors de notre congrès l'an dernier sur les tensions à Strasbourg, mais là ça s'accélère. On a de plus en plus d'exemples de manque de moyens, de suppression de postes ou de déqualification de postes, voire de fermeture de bibliothèques. Alors chaque cas est à peser vraiment. On peut pas. Bon, même l'ABF a pris une position, enfin, lancé un appel à la responsabilité générale pour vraiment que les élus réfléchissent et considèrent quand même l'importance de la lecture publique et ne fassent pas que des calculs financiers avant de prendre des décisions. Mais la situation ne s'arrange pas, bien au contraire, les collègues témoignent de plus en plus. Et là aussi, c'est toujours délicat. Parce que ce sont des décisions qui sont prises politiquement, localement, c'est sûr, mais qui impactent très très fort le service rendu à la population et l'équité de l'accès à l'information sur le territoire. Donc la profession, je pense, est assez inquiète vis-à-vis de ça. Et on a besoin aussi, je pense que les conseils de livre et lecture sont sollicités aussi beaucoup sur ces points de vue-là. Donc on a besoin d'une position aussi forte du ministère, bon, qui a toujours dit l'importance des bibliothèques, mais là je pense qu'on a besoin vraiment de choses plus concrètes pour que les élus se disent bon, on peut pas faire n'importe quoi non plus, et voilà, c'est pas, enfin, ça concerne les bibliothèques, ça concerne la culture en général, mais du point de vue de la lecture publique, on le sent passer très très fort. Oui, ça concerne la culture en général. On a eu le congrès, la journée trimestrielle de nos DRAC il y a quelques jours, quoi, il y a une semaine. Moi, j'ai assisté à pas mal de débats. Sur les deux jours, pratiquement, les deux journées étaient consacrées au reflux culturel des collectivités territoriales. Et il est ressenti vraiment très fortement par vous, par beaucoup de vos collègues, du patrimoine, mais également du spectacle vivant, des scènes nationales. Il y a vraiment des éléments de désengagement qui sont assez nets. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas démunis. Enfin, l'État n'est pas démuni totalement. L'État est dans une position compliquée. Je suis un fonctionnaire loyal. Je vais porter la parole du gouvernement. Je ne peux pas dire que je regrette les retraites de dotation. En tout cas, on est engagé dans ce débat-là. Depuis 2014, c'est l'année où vraiment les retraites de dotation ont été mises en œuvre. Incontestablement, ça pèse sur les collectivités. Les collectivités ne souhaitent pas augmenter forcément leur fiscalité. Elles sont un peu dans un effet de ciseau qui fait que les charges montent toujours et les recettes sont de moins en moins importantes, c'est vrai. Nous ne sommes pas totalement dénués de moyens. D'une part, j'ai la faiblesse de penser quand même que quand le congrès des maires a interpellé le président de la République pour dire on ne peut plus investir pour la lecture publique, on a quand même gardé toutes nos marges. Alors c'est pas suffisant, je suis bien d'accord, mais on a gardé toutes nos marges. On dépense 100 millions par an, Martin Ajdari a dû vous le répéter, pour la lecture publique, 80 millions de DGD, on a 6 millions de crédits déconcentrés, on a 10 millions de mises à disposition de personnel. Nous n'avons pas diminué d'un centime. Et je dirais même que, de façon assez héroïque, en 2016, on a augmenté d'un million le dispositif qui, à mon avis, est excellent, précisément pour faire en sorte que les professionnels soient moins isolés, les contrats territoire lecture, le dispositif contractuel qui permet de faire bloc, de se sentir moins isolé, d'être à nouveau dans une phase de projet avec des collègues de l'intercommunalité ou des départements voisins, etc. On a augmenté d'un million. Il a fallu vraiment le chercher avec les dents, ce million. Mais en tout cas, ça c'est pour vous dire que nous, on n'a pas baissé les bras. On est toujours présents. Après, c'est vrai que notre moyen d'intervention principal pour vous aider, c'est nos services déconcentrés. Avec aujourd'hui la réforme qui a été la leur, Anne-Marie pourra vous le dire, un territoire qui devient énorme. Et le fait de jouer souvent les pompiers pour aller dans telle ville, pour dire, écoutez, aux élus, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire telle chose, telle chose. Il faut
Hier, l'année dernière, je me suis fait un peu agresser par un de vos collègues qui me disait « Mais monsieur, dans quel monde vivez-vous ? Le monde dans lequel vous vivez, c'est pas celui dans lequel on est. » Pourquoi ? Parce que je citais à votre collègue les chiffres desquels on part aussi, hein, les chiffres qui ont un peu décalage, mais enfin, on est en 2014, le rapport annuel n'a pas pu être sorti, il va sortir dans quelques jours. On voit, je vais vous choquer, mais on voit quand même pas un décrochage si considérable. On voit, commence à avoir un décrochage en termes effectivement d'investissement, surtout pour les départements. 2012-2013, ça a été vraiment un décrochage. À mon avis, 2014-2015, c'est la même chose. Les dépenses de fonctionnement, notamment des communes, elles baissent pas autant que ça. Hein. Alors vous me direz, oui, mais la masse salariale, on sait très bien quelle est sa perspective, et une masse salariale qui est à peu près flatte, ça peut vouloir dire derrière moins de personnel et pour faire la tutelle sur la BNF, je le sais parfaitement. Mais enfin, on n'a pas un décrochage si brutal. Donc, je pense qu'il faudra quand même continuer à regarder un peu comment ces chiffres évoluent. Puis sur le terrain, oui, je pense que, ma foi, il faut gérer ça avec nos DRAC. Il faut essayer d'englober la lecture publique, qui s'en sort plutôt pas mal, dans les contrats de stabilisation des finances locales que la ministre de la Culture, la précédente, a fait. Les contrats culturels avaient proposé, vous savez, ces contrats qui consistent à dire aux collectivités, si vous rentrez dans ce contrat, si vous gardez vos financements, nous, l'État, on s'engage absolument à garder nos financements. Il se trouve que dans ces contrats-là, la lecture publique s'en sort plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que la lecture publique, elle est totalement décentralisée, totalement aux mains des collectivités, alors que nos collègues du spectacle vivant, c'est souvent des labels de l'État. Des compagnies qui font peut-être parfois des spectacles qui ne plaisent pas à telle municipalité. Et donc, ils sont plutôt tentés, les collectivités, de se décharger du spectacle vivant et de garder la lecture publique. Donc, dans ces contrats-là, je dirais que c'est pas mal. Mais voilà un peu nos capacités, sans doute, qui ne répondent pas totalement à 100% à vos besoins, mais avec lesquelles on peut quand même essayer d'intervenir. Alors, il y a effectivement peut-être un décalage entre les chiffres publiés qui sont ceux, forcément il y a un décalage dans le temps. Je pense que nous sommes sur le terrain, nous les voyons, ces baisses de budget, nous les voyons, ces baisses de moyens, les non-remplacements de départ, les personnes avec un certain cadre d'emploi qui sont remplacées avec des personnes qui ont un cadre d'emploi en dessous, les arrivées massives de mutations internes, donc de personnes non qualifiées, pas forcément motivées, pas forcément volontaires pour arriver dans les bibliothèques aussi. Donc je peux vous dire que ça se voit peut-être pas encore dans vos chiffres, mais ça va forcément finir par se voir, parce que nous on le vit clairement et ça s'accentue beaucoup. Donc on a clairement des exemples. Alors après, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la dynamique où la commande des élus, c'est de continuer à rendre les mêmes services avec des effectifs et puis des moyens en baisse, y compris des services nouveaux. On a senti passer, par exemple, la mise en place des nouvelles activités périéducatives, la réforme des rythmes scolaires qui a coûté très cher aux collectivités, donc qui ont impacté aussi d'autres services et qui ont impacté aussi l'action des bibliothèques, même si c'est quelque chose qui peut avoir vraiment des retombées très très intéressantes sur les enfants. Mais nous, notre quotidien, c'est vraiment ça. Alors, plus dans certains endroits que d'autres, forcément. Quand une collectivité est obligée de baisser ses moyens parce qu'elle ne veut pas non plus augmenter les impôts et qu'elle répartit ça de manière à peu près équitable sur l'ensemble de ses services, ça va à peu près. Mais là, on avait un échange avec un collègue qui disait, quand on regarde, ne serait-ce que consulter les offres d'emploi en bibliothèque de nos jours par rapport à il y a 3-4 ans, mais ça fait une chute vertigineuse. Par contre, les services de sécurité de police municipale, là, ça va, c'est un bon métier. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on pense à se reconvertir pour un métier plus d'avenir. À un moment donné, les chiffres vont forcément parler, mais en tout cas, c'est pas simplement un ressenti. C'est-à-dire qu'on peut, nous, collectivité par collectivité, bibliothèque par bibliothèque, dire voilà, ça a vraiment baissé. Alors, on est d'accord, les périodes de crise, c'était aussi un petit peu le sujet de notre congrès l'an dernier, sont aussi l'occasion de se remettre en question, de sortir de la routine traditionnelle, de réargumenter sur ces
budgets, de savoir nous-mêmes, bibliothécaires, monter au créneau et faire de l'advocacy pour dire à nos élus voilà tout l'impact qu'ont les bibliothèques et voilà ce dont vous allez priver la population si vous cessez de leur donner les moyens. Mais à un moment donné, voilà, il y a une limite. Et alors, ça pose aussi la question de l'évaluation des politiques publiques, dont on parlait beaucoup il y a quelques temps, et la Gazette des communes a refait des dossiers récemment en disant ben, curieusement on est dans une période de crise et en fait les évaluations des politiques publiques elles se raréfient un petit peu, ben, ça coûte hein, forcément, ça coûte des ressources humaines etc, mais est-ce qu'on nous donne aussi les moyens de pouvoir repenser nos services pour les rendre plus efficaces et c'est pas toujours le cas, en fait souvent on est confronté à des coupes brutales sans qu'on ait vraiment l'occasion de dire bon ben on peut peut-être retravailler les choses, et c'est une réalité où on voit que nos collègues sont souvent en souffrance, donc on les accompagne comme on peut sur des méthodologies justement, mais c'est un petit peu compliqué, et moi je suis persuadée que ça va réapparaître à un moment donné. Je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, hein. Je suis pas en train de dire qu'il se passe rien, c'est pas du tout mon propos. Je dis simplement que si on compare la situation générale avec celle des Yvelines, où les Yvelines craquent brusquement, on met un peu le paravent d'une forme de modernisation, d'efficience, enfin, un discours un peu d'efficience pour mettre un peu un service de côté, la situation de la lecture publique n'en est quand même pas là, heureusement, sur l'ensemble de notre territoire. Mais je me déplace régulièrement dans les régions. Je vois vos collègues directeurs de bibliothèques, de médiathèques. Et le discours est trop massif pour qu'il s'agisse simplement d'un ressenti. D'ailleurs, systématiquement, j'étais ici il n'y a pas très longtemps, à Nantes il n'y a pas très longtemps, des exemples tout à fait clairs, précis, me sont donnés d'un certain nombre de vos collègues qui sont complètement désemparés parce que brusquement, sans qu'on leur ait même demandé, les services de la ville arrivent dans la bibliothèque, installent l'office du tourisme, prennent la moitié du truc, les bibliothécaires sont envoyés en haut sans qu'ils aient rien demandé. Enfin, il y a des situations absolument invraisemblables et effarantes qui sont sans doute poussées effectivement par cette question du manque de moyens et d'efficience. Je pense qu'il y a... Je lis d'ailleurs... je ne sais pas si vous l'avez lu, l'article de Livre Hebdo qui est paru d'ailleurs à l'occasion de votre congrès. Je trouve qu'il est pas mal cet article parce que il remet cette question de la pression des moyens dans une ambiance un peu plus générale qui pose d'autres problèmes. Et la pétition, vous savez, de Boulébib, elle m'a intéressé non pas par le texte qui était... Enfin, je sais d'où il vient ce texte. Il est d'ailleurs très très excessif et hyper... beaucoup de sa force par son excès, mais par les commentaires de vos collègues qui étaient faits à la suite. On sent que cette baisse de moyens, d'une certaine manière, alors évidemment, on pourrait dire on fait des efforts d'efficience, on se réinvente, etc. Il y a quand même un moyen, effectivement, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. On peut inventer, être un génie de l'innovation, on n'arrivera pas à inventer quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Mais que ce discours... Il arrive à un moment où il y a une interrogation de la profession sur ce qu'elle est, finalement, les services qu'elle peut rendre. Et ceci accéléré par deux éléments. Le premier, c'est sans doute celui d'un changement de génération d'élus, j'ai l'impression. À la suite des dernières élections, il y a de nouvelles équipes qui sont arrivées, avec des gens qui voyaient peut-être les choses, bon, premièrement, qui n'étaient pas très aguerris à la gestion municipale, qui ne savaient pas, qui découvraient, hein, bien souvent, qui étaient assez naïfs dans cette affaire-là, qui ne connaissaient pas la culture des professions qui étaient à la manœuvre, et puis qui avaient une façon de voir les choses qui était peut-être plus brutalement consommériste, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, bon, voilà, combien vous faites d'entrées, et puis si vous ne faites pas le nombre d'entrées, ben, on passe à autre chose, parce qu'eux, ils font davantage d'entrées que vous, donc ils avaient une vision... comme ça, très utilitariste du service public. Et puis, il y a un deuxième élément qui percute un peu cet élément premier, c'est qu'on est, et au fil des congrès, on le voit bien, au fil de nos discussions, peut-être sur un changement aussi de nos publics, de nos usages et du positionnement que les professionnels doivent avoir vis-à-vis de ce public qui est plus nomade, qui zappe, qui cherche peut-être d'autres choses, finalement, peut-être moins la science, peut-être moins l'instruction dans la bibliothèque, un peu plus de loisirs, d'accès à des choses différemment. On parle de ce lieu de vie qu'on essaye tous de construire, oui, quelque chose qui ressemble davantage à un lieu de vie que
à cette institution que nous portons encore, dont nous portons encore la culture, qui est cet équipement qui vient de l'après-guerre, où on a essayé d'instruire la population, de construire le citoyen, de construire la personne humaine. Il y a peut-être un discours qui change de ce point de vue-là, vis-à-vis duquel on sent que les professionnels doivent avoir une autre approche, qui n'est pas encore enseignée, que les organismes d'instruction de nos professions n'ont peut-être pas totalement intégré, mais qu'il faut à un moment aussi intégrer dans la formation des professionnels des bibliothèques. Alors cette conjonction d'un public qui change, d'un bibliothécaire qui doit être finalement plus centré sur le public, plus que sur la collection telle qu'il a été, je vois des choses tout à fait nettes qui sont dites de ce point de vue-là, avec des élus qui sont en demande d'autre chose, vis-à-vis desquels il faut aussi avoir un nouveau positionnement. Je lis par exemple quelque chose que je rencontre assez régulièrement et que je vois dans nos professions et qui m'a beaucoup intéressé. Depuis les élections et la réforme des collectivités, une nouvelle génération d'élus est arrivée. Et pour eux, les bibliothécaires doivent prouver leur utilité pour obtenir les crédits. Les bibliothécaires se disent conscients qu'ils devront dialoguer davantage avec leur tutelle, qu'ils avaient pris jusque-là le soin d'éviter. Alors c'est un peu caricatural d'une certaine manière, mais c'est vrai que je rencontre quand même pas mal de nos collègues professionnels pour lesquels la relation avec l'élu n'était pas facile, parce que le bibliothécaire incarnait une certaine forme de légitimité professionnelle, de légitimité surtout de la pluralité des idées, vous savez, toutes ces intrusions dans la façon de concevoir les collections, d'acheter tel ou tel livre. Le bibliothécaire était ce professionnel qui était le garant du pluralisme dans une collectivité, et parfois contre les élus eux-mêmes. Et cette façon de se construire, profession qui n'est pas propre d'ailleurs à la vôtre. Moi, j'étais dans les musées, dans les archives, les professionnels se construisaient aussi comme ça, comme un peu les garants d'une certaine manière, d'une authenticité par rapport à des élus qui avaient des visions beaucoup plus consuméristes d'une certaine manière. On sent que tout ça est un peu en train de changer, qu'il y a une forme de repositionnement global qui arrive à un moment difficile, parce que c'est un moment de tension budgétaire. Donc moi, j'étais assez sensible à tous ces éléments, qui sont sans doute des éléments de long terme, vis-à-vis desquels il faut avoir des réponses, il faut trouver les réponses qui sont les réponses de votre profession et sur lesquelles il va falloir travailler pour obtenir sans doute des positionnements un peu différents. Et moi, je suis quand même optimiste parce que je le vois au sein du ministère. On est dans une période de crise forte, culturelle, avec des jeunes qui partent dans des direction qu'on n'avait pas du tout envisagée, qui retourne vers une forme d'idéologie, une forme de religiosité extrêmement violente, qui conteste précisément ce sur quoi la République s'est fondée. Et la réponse politique qui nous est demandée par les cabinets successifs, c'est « Ah, les bibliothèques, c'est quand même le réseau le plus large hein. ». Brusquement, on se rend compte que ce réseau assez discret de professionnels qui font leur travail de manière peut-être moins flamboyante que les gens des scènes nationales, qui savent peut-être moins faire parler d'eux-mêmes, il existe, il est très dense, et sa capillarité même peut être un point d'appui, précisément, pour transmettre ces valeurs qui sont chères à toute la profession, et aux Français en général, aux Français républicains, qui sont celles du pluralisme, des idées, effectivement, de la laïcité, un certain nombre de visions larges, en tout cas d'expression des idées et des expressions culturelles. Et ça, c'est depuis quelques années, parmi le dialogue que j'ai avec les cabinets successifs, c'est quelque chose qui est très fort, en tout cas. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions par rapport à... que ce soit par rapport au cas des BDP ou au problème de moyens rencontrés? Oui, devant. Juste rajouter au chapitre des préoccupations, en Limousin en tout cas, une remise en cause de la gratuité des établissements, et qui, moi, me préoccupe, enfin, me perturbe beaucoup, que ce soit Limoges, mais en fait, quel que soit d'ailleurs l'équipe en place, hein, si je puis dire, et sur des argumentaires voilà, qui laissent quand même un peu songeur. Et pour le coup, cette crainte, effectivement, que les professionnels ne soient pas forcément consultés pour réfléchir à l'évolution. Donc ça, c'est voilà, il faut qu'on renforce notre crédibilité pour que c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel. Voilà. Alors effectivement, on en a eu un peu une illustration
lors de notre accueil à Clermont-Ferrand, où effectivement, Madame l'élue à la culture était très, très fière de nous annoncer qu'elle pensait valoriser le travail des bibliothécaires en augmentant la tarification des bibliothèques. Donc forcément, nous lui avons expliqué quelles étaient les positions défendues par l'ABF et par une large majorité de la profession quand même, et ce à titre mondial et pas seulement national. On retrouve un peu le schéma de l'usager-payeur et des comparaisons qui sont souvent maladroites avec d'autres secteurs, qu'ils soient du domaine culturel ou même de la prestation un petit peu plus marchande. Donc il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin. On voit qu'on a encore du travail, on le savait, y compris à des endroits où cela paraît c'est acquis, il peut y avoir une certaine régression. Donc là, c'est aussi notre responsabilité, ça c'est clair. Après, il faut qu'on soit entendu, mais il faut qu'on explique aussi, d'un point de vue, y compris en intégrant des paramètres financiers. Bon, l'argumentaire, on le connaît, il est développé, on peut le fournir aussi, pour expliquer à quel point on est dans un domaine de service public. Quel est l'objectif politique à un moment donné? Mais oui, c'est aussi une question qui touche beaucoup notre métier. Je témoigne juste d'un élément sur ce sujet-là. J'en parlais à notre président. On a, en sus de l'enquête annuelle qu'on fait, il se trouve que depuis 25 ans à peu près, on achète un panel à la Sofres. Donc on a des séries très longues de chiffres, essentiellement tournées sur l'économie du livre. Hein. Quand vous regardez nos chiffres clés qu'on publie chaque année au Salon du Livre, beaucoup sont tirés, en tout cas sur l'importance de tels réseaux de diffusion, la librairie par rapport à la vente en ligne, etc. C'est tiré de ça. Donc c'est l'avantage de ne pas être un panel comme fait GFK de sortie de caisse, donc de distributeur, mais un panel consommateur. Donc on s'adresse aux consommateurs, avec des consommateurs choisis statistiquement et auxquels on pose pendant 4-5 ans toujours les mêmes questions pour avoir une durabilité. Et on a quelques questions sur l'usage de la lecture publique. On est d'ailleurs en discussion au sein du service pour savoir comment les rendre un peu plus accessibles, parce qu'on est aujourd'hui les seuls qui achètent ce panel, même si on n'en est pas propriétaire. Et la Sofres nous a rendu les éléments il y a quelques jours. Et il était intéressant de voir que parmi ceux qui répondent, de plus en plus d'usagers disent qu'ils payent pour aller en bibliothèque. Et c'est tout à fait net. C'est une tendance qui est tout à fait nette sur le pluriannuel. Et pas seulement pour accéder à des services spécialisés, mais pour le service de base de la bibliothèque également. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit. Une dernière question. C'est une question pour Nicolas Georges. Vous aviez évoqué il y a quelques mois, c'était peut-être à la journée des conservateurs d'État en début d'année, un travail ou un audit, enfin quelque chose en cours sur l'opportunité de retravailler l'idée d'une loi pour les bibliothèques. Est-ce que vous avez du nouveau sur ce sujet ? Oui, là aussi, on en parlait sur la question des BDP. Pourquoi ? Parce qu'on se voit... Tant que les choses vont bien, on ne se pose pas trop de questions. Quand ça commence à aller mal, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, on regarde les textes. Et les textes, en matière de bibliothèque, c'est pratiquement rien. Hein. Les BDP sont transférés au département, et puis un contrôle scientifique et technique de l'État. Mais qu'est-ce que c'est qu'une BDP ? On n'en sait rien. Comment la compétence obligatoire est-elle remplie ? On n'en sait rien. C'est vraiment... Donc, entamer un dialogue avec les départements sur une base aussi faible... que le texte, c'est compliqué. Bon, je dis d'ailleurs que entamer un dialogue sur des textes dans des moments de tension, c'est pas non plus une garantie. C'est pas parce qu'on a des textes forts qu'on va aller. Hein. Si le département des Yvelines ne veut pas recevoir l'inspection générale, on lui imposera pas de l'inspection générale, parce que de toute façon, l'inspecteur général, il sera pas reçu par la collectivité, il n'aura pas de rendez-vous, et on lui donnera absolument accès à aucune donnée. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait une volonté de coopérer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'à la suite de la journée qu'on avait organisée, vous vous rappelez, en décembre 2014, on a signé nos fameux protocoles de prêt numérique, il y avait eu une table ronde assez animée, à ma grande surprise, je crois que c'était d'ailleurs un débat qui était fini, mais faut-il une loi ou ne faut-il pas de loi sur les bibliothèques ? Et vraiment, la sénatrice qui était présente, du Val-d'Oise, c'était Mme Gillot, je crois,
avait été elle-même très surprise par la reprise de ce débat. Elle nous avait dit surtout, ne mettez pas ça sur notre agenda, on est déjà complètement surchargé au Sénat et au Parlement, ça ne vaut pas le coup. Et elle s'est dit, tiens, je crois même qu'elle en a parlé avec Dominique Lahari pour reprendre un peu les choses. Il y a du grain à moudre. Alors on s'est dit, lançons-nous dans l'expertise de cette question. On n'avait pas formulé, d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de ne pas la formuler sous la forme d'une question, je dis pour en finir avec la loi sur les bibliothèques. Pour en finir, ça dit bien ce que ça veut dire. S'il a besoin d'une loi, préparons les choses. Et puis s'il n'y a pas besoin de loi, pour une fois, disons-le, mais documentons très sérieusement la question pour prouver qu'il n'y a pas besoin de loi. Alors comment on a fait? On s'est donné du temps pour réfléchir, parce que c'est une question complexe, et on a fait affaire avec un laboratoire du CNRS, en réalité, qui est dirigé par Marie Cornu, qui a travaillé beaucoup avec le ministère de la Culture sur des champs du patrimoine pour précisément retravailler le champ normatif des métiers de la culture. Donc ils ont fait un gros travail sur les archives, un gros travail sur les monuments historiques, et avec une méthodologie éprouvée, donc de table ronde qui se passe en région, de petits comités qui associent professionnels et juristes, et puis de restitution à la profession sous la forme de colloques et sous la forme d'un livre. Et toute cette méthodologie est adoptée par nous, et on se lance en ce moment. La première table ronde devrait être lancé, je crois, début juillet. On devait avoir une table ronde à Grenoble qui a dû être annulée à cause des affaires de train. Nous sommes en phase de discussion, enfin de mise en œuvre de cette réflexion de long terme. Et la restitution devrait aboutir collectivement, sous la forme d'un colloque, bien entendu, ouvert à tout le monde, d'une publication, je l'espère, en tout début d'année 2017. Et comme je suis toujours, je ne sais pas si je serai encore directeur à ce moment-là, mais il faut toujours avoir un coup d'avance. Il y a des élections en 2017. Évidemment, il faut toujours préparer un dossier pour le futur ministre et avoir des propositions. Et je me dis que s'il y a suffisamment de grains à moudre, eh bien, le prochain ou la prochaine ministre, on lui mettra sur la table une possible réforme législative, avec pourquoi pas des textes sur les BDP, par exemple, pour préciser qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque, de quoi elle est constituée, effectivement, comme les musées l'ont fait d'une certaine manière, si bien sûr tout ce travail de coordination avec Marie Cornu aboutit à quelque chose de suffisamment solide. Et puis si ça montre qu'on n'a pas beaucoup de textes finalement, mais qu'on n'a pas besoin de beaucoup de textes pour fonctionner, ben, on en finira avec la loi sur les bibliothèques, mais d'une autre façon, c'est-à-dire en terminant le débat, puisqu'il n'y aura pas lieu d'être. À titre personnel, j'aimerais mieux porter une belle réforme législative. Ça m'intéresserait d'en discuter et de voir le Parlement, surtout, parce qu'on parle des élus, mais de voir le Parlement s'emparer de la discussion sur les bibliothèques et de l'avoir portée effectivement à ce niveau national pour que les élus aient conscience, en tout cas, de l'utilité de ces services et surtout de la manière dont ils se sont transformés. Parce que ce que dit l'article, c'est que beaucoup d'élus ont encore une vision passéiste très poussiéreuse, finalement, de ces services-là. Et c'est pour ça qu'il apparaissait aussi important de se dire que les bibliothèques pouvaient être mentionnées dans d'autres textes législatifs sur des sujets connexes, plus ou moins proches, ce qui correspond un petit peu à un objectif local aussi, d'inscrire la bibliothèque dans les politiques publiques, que ce ne soit pas que des politiques culturelles, mais de les faire figurer autant que possible. Question ? Oui, tout à fait. Monsieur Nicolas Georges, donc Vincent Bonnet, directeur des Blida, et vous avez parlé de livres numériques et d'Assemblée nationale. Et justement, je voulais savoir la position du ministère sur la récente proposition de résolution européenne de l'Assemblée nationale, où l'Assemblée appelle à la prise en compte de la nécessité, dans le cadre de l'exception pour le livre numérique, de garantir la viabilité économique de l'édition, tout en favorisant le développement de la lecture numérique en bibliothèque et à distance sur les réseaux électroniques fermés. Donc c'est une nouveauté en fait par rapport aux positions précédentes, et j'aurais aimé connaître la position du ministère. Franchement, je ne sais pas si c'est une nouveauté par rapport à l'existant, parce que quand vous regardez bien ce qu'il y a derrière ce texte que vous venez de citer, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire, on parle déjà d'une exception pour le livre numérique. Je ne connais pas d'exception pour le livre numérique. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, exception pour le livre numérique, telle qu'elle est en tout cas formulée là. Et puis, il y a de toute façon, il faut favoriser l'accès au livre numérique, mais dans le respect de la stabilité économique des éditeurs. Donc, moi, je peux être que d'accord avec quelque chose qui est comme ça, qui est un peu la voie moyenne qu'on essaye de suivre jusqu'à présent, qui consiste à dire incontestablement les bibliothèques doivent
poursuivre leur activité dans le domaine du numérique, elles doivent en avoir la capacité, et bah, il faut qu'on se donne les moyens pour que ça soit possible, incontestablement. Et puis, bah, par ailleurs, le ministère de la Culture, on est aussi le garant du droit d'auteur. Donc il faut que ça se fasse dans le souci de la rémunération de la création. Hein. C'est pas défendre les ploutocrates de l'édition que de dire ça. Simplement derrière que vous avez vu des professions d'auteurs qui, elles aussi, aujourd'hui, font connaître leur malaise. On a rendu une importante étude au Salon du Livre sur la situation sociale des auteurs. Elle n'est quand même pas flamboyante. Donc il nous semble quand même important de dire que ben, ces gens-là, dont le métier est d'écrire, ils doivent aussi pouvoir vivre de leur profession. Donc on est sur la coopération, la conjonction de deux impératifs tout aussi importants l'un que l'autre, et mon travail, je le conçois comme ça, concilier l'accès en bibliothèque, incontestablement, les bibliothèques doivent faire ce travail. Et ça, c'est sans ambiguïté au sein du ministère de la Culture. Et puis, ça doit se faire dans une forme d'équilibre avec les professions qui sont celles qui produisent ces contenus, et en particulier les auteurs auxquels on est quand même, là aussi, nous, particulièrement attachés. Donc la rémunération de la création, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour ça, on s'est donné la capacité déjà de dialoguer, de rassembler les gens pour qu'ils dialoguent. C'était pas évident. Depuis 2003, le dialogue était quand même pas sensationnel. L'affaire du droit de prêt avait quand même laissé des séquelles assez importantes. Je pense pouvoir dire quand même que ce dialogue, il a été rétabli. En tout cas, on a un groupe de suivi sur le développement du prêt numérique qui se réunit régulièrement au ministère de la Culture. On publie les chiffres. C'est ouvert. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transparence. On les a publiés au moment du Salon du Livre. Donc il y a les moyens d'un dialogue, d'un rassemblement. Et la position, c'est que ben, on peut commencer à faire les choses, ou en tout cas se donner les moyens de les faire par la voie du contrat, et la voie contractuelle. Puisqu'encore une fois, contrairement à ce que dit ce texte, je ne connais pas d'exception au droit d'auteur en matière de prêt numérique. Après, je sais très bien quelle est la position de l'ABF, en tout cas de la profession, c'est nous, on souhaite que l'exception de droit de prêt soit étendue au livre numérique. Je l'entends bien. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je me dis que ben, si un jour il est prouvé que ça ne marche pas, que les bibliothèques ne peuvent pas remplir leur service de prêt dans le domaine du numérique, alors sans doute qu'il faudra envisager des moyens plus directs, plus importants, sans entrer dans les détails, mais je peux le faire. Je dirais tout simplement ici que l'exception, cette fameuse exception que l'on sort à tout craint, ne résoudra pas l'ensemble des questions qui permettront, en tout cas, aux bibliothèques de faire le service du prêt numérique. Pour toute une série de questions que j'ai abordées d'ailleurs avec un certain nombre de vos collègues et avec les éditeurs quand on s'est réunis il n'y a pas si longtemps pour regarder l'agenda numérique de la Commission et voir comment les bibliothèques, en tout cas, s'inséraient dans cet agenda numérique, une exception, en tout cas une extension de la directive de 2006 au numérique ne résoudra pas tous les problèmes. Il faudra prendre des textes ultérieurs ou en tout cas renforcer cette législation pour que les bibliothèques puissent avoir accès, comme elles le souhaitent, comme elles espèrent le faire, au prêt numérique. C'est pas si simple, c'est pas aussi simple que pour le livre imprimé, où il suffit pour vous d'aller chez un libraire, d'acheter un bouquin comme Monsieur X, de le mettre dans les rayons et d'être protégé par l'exception pour pouvoir le prêter. Le numérique, c'est un peu différent. Voilà. Mais je pense avoir dit que par rapport à cette résolution qui ménage la chèvre et le chou, d'une certaine manière, je ne suis pas opposé. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est justement la première fois qu'on voit la référence à une exception par un texte en fait qui sort de l'Assemblée nationale, qui sort des élus en fait et qui vient pas des bibliothécaires. Donc c'est ça que je trouvais intéressant, même si l'ensemble du texte a des incohérences et ménage la chèvre et le chou. Mais la semaine prochaine, il devrait quand même y avoir au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne l'avis de l'avocat général qui devrait donner son opinion sur oui ou non le prêt numérique est-il possible dans le cadre du droit d'auteur actuel. Donc ce sera qu'une opinion qui donnera lieu à un jugement en fin d'année. Mais si effectivement l'opinion est celle-là, c'est-à-dire que le prêt numérique est possible dans le cadre d'une exception, ça aura forcément un impact aussi sur la législation française. Et donc il y aura nécessité d'adaptation en fait, de la loi au jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Bah, oui ou non. Hein, parce oui que, ou non. Ouais, oui ou non, parce que un jugement, c'est qu'un jugement, c'est pas une loi. Hein, et tant qu'il n'y a pas d'affaire en France pour qu'on se mette d'équerre, on ne sera pas obligé de le faire.
Mais je ne veux pas faire la mauvaise tête en disant que ce jugement n'aura aucune portée. Bien entendu, il aura une portée en termes de réflexion. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut lire les jugements. Et le jugement, il permet le prêt numérique dans des conditions bien spécifiques pour respecter le test en trois étapes, et que ces conditions sont tellement restrictives qu'elles sont extrêmement éloignées de ce que j'entends dans votre profession comme devant être le standard du prêt numérique que veut la profession. C'est tout. Donc, je vais même vous dire, ce jugement, il intéresse les auteurs. Les auteurs qui, pourtant, n'aiment pas les exceptions au droit d'auteur. Il intéresse les auteurs parce que, précisément, les auteurs ne veulent pas des modalités de prêt pluriaccès telles qu'elles sont proposées aujourd'hui par certaines licences. Les auteurs veulent un accès, point à la ligne. Donc, rationner le prêt de la même façon qu'il est rationné dans l'univers physique, parce qu'ils craignent précisément que leur valeur, en tout cas, ne s'échappe avec cette profusion d'accès simultané qui est proposée, estiment-ils, par des licences qui sont trop ouvertes aujourd'hui. Donc, si les auteurs sont d'accord avec ça, il y a quand même quelques questions à se poser pour les bibliothécaires. C'est que vous n'êtes pas forcément sur la même. Enfin, vous êtes sur une longueur d'onde qui n'est pas très favorable, à mon avis, à l'accès aux bibliothèques. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis que ce jugement, finalement, il ne changera pas grand-chose. En tout cas, il n'ira pas dans le sens de ce que souhaitent les bibliothèques, c'est-à-dire avoir une ouverture quand même et avoir des licences extrêmement larges, extrêmement pratiques, extrêmement faciles, et qu'on sera précisément sur un mode d'accès totalement homothétique et totalement rationné, en l'occurrence totalement homothétique à ce qu'il est avec l'imprimé. Merci pour cet exposé des positions du ministère. Nous allons clore sur ce sujet cette session. Finalement, on voit qu'il y avait beaucoup à dire sur la lecture publique et on n'aurait peut-être pas eu le temps d'aller autant au fond des choses si nous avions une ou deux intervenants. On verra, peut-être l'année prochaine, on fera autre chose avec les bibliothèques universitaires. Merci Monsieur Georges d'être venu répondre à nos questions et nous expliquer les sujets d'actualité et de réflexion portés par le ministère de la Culture. Merci à la salle. Nous vous invitons maintenant à retourner sur le salon professionnel et nous vous rappelons que l'heure du déjeuner a été avancée suite aux perturbations de circulation et aux trains que beaucoup d'entre vous doivent prendre. Le déjeuner est avancé à 12h30, ce qui permettra à ceux qui repartent en début d'après-midi de ne pas être bousculés et d'avoir l'estomac plein. Parce que comme on disait tout à l'heure, une horde de bibliothécaires affamés, lâchés, ça va créer des problèmes de sécurité bien pires que l'euro. Donc voilà, bon appétit, bonne suite de journée. N'oubliez pas que cet après-midi, nous avons encore des sujets très intéressants, des sessions en début d'après-midi et les sujets qui fâchent en deuxième partie.